Vous savez pourquoi je suis fâché, monsieur? Yigit prendra perpétuité, mais il ne veut toujours pas parler. Et le reste de l'organisation continuera ses activités criminelles parce qu'il ne les vendra pas. Nous finirons par tous les avoir, mon garçon. Nous les arrêterons tous un par un. Kenan, est-ce que vous pensez que nous creusons au mauvais endroit? Je ne pense pas, monsieur. C'est le seul endroit qui ait été déterré. Nous avons déjà vérifié tout le cimetière. Il n'y a aucun autre endroit qui a été déterré ainsi. Très bien, alors creusez plus vite, les gars, d'accord? Monsieur, on a quelque chose. Attendez. Donnez-la moi. Papa nous a donné un soldat. C'est le mien. Que la guerre commence. Tu seras enterré dans ton propre pays, soldat. Si tu le dis, soldat. J'ai enterré ton soldat. La victoire est à moi. Derrière, fais attention. Tu vas gâcher la pâte. Écoute, Neriman arrive bientôt. Pourquoi tu ne fais pas autre chose? Elle le fera. Pourquoi Neriman s'en occuperait? Ah oui, c'est vrai, je ne te l'ai pas encore dit. Elle va travailler avec nous maintenant. Je lui ai offert un travail ici. C'est bien. Pourquoi tu ne m'as pas dit, hein? Dis quoi? Que Cybèle n'était pas enceinte. Ils ont été forcés de se marier. Cybèle a découvert des choses qu'elle n'était pas censée savoir. Quoi? Et qui t'a dit ça? Emir m'en a parlé. Écoute, n'essaie pas de nier, Derya. Cybèle doit déjà t'avoir dit la vérité. En fait, je me demande ce que je ne sais pas encore. Kubra, arrête, s'il te plaît. Je suis fatiguée de cette histoire. Et de toutes les autres histoires aussi, en fait. Je suis seulement humaine, et là, j'en ai plus qu'assez. Je peux plus gérer tout ça, tous ces non-sens autour de moi. J'en ai jusque-là avec vous tous. Ah, Aïfer, bienvenue, entrez. Ma chérie, j'ai cherché Selim partout. Ender ne répond pas à son téléphone, et du coup, je m'inquiète. Derrière... On n'a vraiment aucune nouvelle? Derrière l'aurait dit si elle le savait. Il doit sûrement être occupé quelque part. Aïfer, je suis désolée. Il lui est arrivé quelque chose de grave, j'en suis sûre. Oh mon Dieu, ne dites pas ça, enfin non. Allez, asseyez-vous et laissez-moi vous faire un thé. Ender, où est Selim? En plus d'avoir tué Selim, tu fais de l'humour maintenant, c'est ça? T'es le seul qui plaisante ici, je crois. Dis-moi tout de suite ce que tu veux, c'est plus simple. Selim a été assassiné à cause de toi. Mais peut-être que c'était ton but, et là c'est mon tour, Emir. Tu vas me tuer, c'est ça? Dis-moi quel est ton plan, Ender, ne commence pas à dire n'importe quoi, d'accord? Tu m'entends? Que se passe-t-il ici? Tu essaies de soutirer des informations à Ender, c'est ça? Alors c'est lui ta prochaine victime? J'ai reçu ton cadeau. Cher frère. Mais ne prends pas autant de peine pour faire ça la prochaine fois, tu vois? Tu n'auras qu'à l'envoyer au palais de justice, c'est plus simple. Ender attend dans la voiture.
Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas eu assez d'informations par Yilmaz? De quoi parles-tu, Yigit? Tu peux garder ce cadeau, cher frère. La prochaine fois que tu décideras de m'arrêter, tu te souviendras à qui tu as affaire. Yigit, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, on en est où avec Yilmaz? On va où, là? Pourquoi on s'arrête ici? Tu vas me tuer aussi, c'est ça? Ça veut dire ça. Comment t'as pu? Comment t'as pu faire ça, mec? Bête! Lâche-toi! Ça a servi à quelque chose. Tu m'aimes maintenant? Et bien sûr que je t'aime. Tu m'as fait super peur, comment t'as pu me faire ça, Céline? Quoi, t'as pleuré, c'est ça? J'y ai vraiment cru. Écoute-moi, Ender, je suis désolé. Si on te l'avait dit, c'était foutu. Je suis désolé, mais tu ne pouvais vraiment rien faire, mec. Tu vas marcher dans la rue avec un sourire sur ton visage. Céline, tu me touches pas, ok? Alors dites-moi un peu ce qui s'est passé. C'est quoi votre dernier petit jeu? Quand on regardait les images de la vidéo, on avait vu quelqu'un, tu te rappelles? Est-ce que tu penses que Selim aurait pu nous balancer? Les caméras de sécurité. On enregistre tout, donc on n'a qu'à regarder les images. C'est les images de cette nuit-là. On dirait Selim, je crois bien. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, attends, rembobine un peu. Arrête. Tu peux te rapprocher de lui? Tu peux zoomer, là? Regarde. Regarde. Qui est ce visage dans l'ombre? Je crois bien que c'est un de nos gars. J'avais un pressentiment, et je me suis rappelé qu'après avoir dit que je devrais être protégé, j'ai engagé ces gardes du corps, et Aki a obtenu des infos. Donc, j'ai décidé de jouer un petit jeu pour être sûr qu'il m'espionnait. Tu vas regretter d'avoir fait ça, Yigit. Ils essayent de nous tourner les uns contre les autres. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, dis-moi. Il y a un traître qui donne des informations à Aki. Donc après Ymir, c'est moi le suivant. J'ai rien divulgué ni à Aki, ni à Ymir. Dis-moi maintenant qu'on en finisse, si tu me crois pas. Je te crois, mais j'ai besoin de savoir qui a divulgué l'information à Aki. Monsieur Killik, vous allez bien? Je vais bien, pas de soucis.
Pourquoi tu n'as pas sorti ton arme? Pourquoi tu as l'air si tranquille? Je sais que vous avez tiré, monsieur. Je veux dire que je l'ai vu. Tu ne l'as pas vu. Tu le savais. Parce que c'est toi qui donnes les informations. Selim, tu peux te relever. On a trouvé le traître. Attachez-le. Lève-toi. Maintenant, tu me dis la vérité. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne lui ai rien dit. Sauf l'enregistrement que Nia t'avait laissé. Tu veux continuer à vivre? Je ferai ce que vous voulez, monsieur. Ne me tuez pas. Trouve-moi son téléphone. Je veux que tu l'appelles et tu lui dis que je viens de tuer Selim. Attends, c'est quoi le rapport avec le reste? Alors, Emin nous a vendu à Emir et à qui en même temps? Non, j'y crois pas, à qui le laisserait pas vivre? Ender, écoute-le un peu, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on a décidé de jouer ce jeu. Je me méfiais d'Yilmaz, mais je devais en être certain avant de faire quoi que ce soit, tu comprends? J'ai donc commencé à suivre Emir, et j'ai réalisé que j'avais raison. Yilmaz est allé voir Emir en direct. Il lui a dit où Selim était enterré. J'ai tué un homme que j'ai appelé mon frère. Un homme qui était l'un des plus proches de moi, et je l'ai fait de mes propres mains. Je l'ai enterré dans un endroit vide que j'ai trouvé dans le cimetière, sans prière, ni même de cérémonie. Il n'a même pas sa pierre tombale personnelle. C'est à la hauteur de sa trahison. Ton frère a creusé cette tombe de ses propres mains pour enterrer le gars qu'il a tué lui-même. Selim, son meilleur ami, a été tué. Ouvre la boîte à gants et tu trouveras les photos. Regarde-moi ça, c'est dingue. Je suis vraiment content que tu m'aies rien dit. J'aurais jamais pu assurer avec un gros salaud comme lui. Selim, mon frère. J'ai réalisé combien je t'aime. Bien sûr que tu m'aimes. Qui d'autre? À part nous, on a qui d'autre, hein? Eh bien, si vous avez fini vos déclarations d'amour, on y retourne. On va où? Nous avons un gros dossier à terminer. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qui se passe? Tu penses que tu peux débarquer comme ça dans ma maison, hein? Eh bien, monsieur, cette fois-ci, c'est moi qui parle. Et vous, vous allez m'écouter. Sam! Il est où encore celui-là? C'est pas possible! Vos hommes ne peuvent pas vous aider, monsieur. Parce que Selim et Ender se chargent de veiller sur eux. Selim est vivant? Oui, il est vivant. Pourquoi ne le serait-il pas? Pour qui est-ce que tu te prends? Hein? Tu te prends pour qui pour me pointer un flingue sur le visage comme ça? C'est quoi ton problème? Pour qui je me prends? Je vais te le dire puisque tu ne comprends toujours pas. Je suis l'homme qui va très bientôt te mettre une balle dans la tête. Yilmaz, ferme-la. Yigit,
si tu ne m'expliques pas tout de suite pourquoi tu fais ça. Je ne te laisserai pas vivre, est-ce que c'est bien clair? J'ai trouvé la taupe, monsieur. Le traître qui avait divulgué des informations au procureur, c'était Yilmaz. Hier, vous me disiez qu'on ne devrait pas tolérer même la personne la plus proche de nous si elle nous trahissait, n'est-ce pas? Alors, que décidez-vous? Ce n'est pas à toi de punir mon fils, Yigit. Tout à fait. Je vous en prie. Tue-moi, papa. Vas-y, tire, allez comme ça, on sera sauvés tous les deux. Je t'ai dit de la fermer, gamin. Yigit, Yilmaz quittera le pays pour toujours, ce sera sa punition. Tu vas lui épargner la vie. Et j'aurai une dette envers toi. Écoutez, vous le saviez que c'était Yilmaz qui nous avait vendus. Quand j'étais sur le point de tirer sur Selim pensant que c'était...
Comment ça va derrière? Cybèl! Selim est vivant! Quoi? Tu es sûre, il est toujours en vie? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Oh, Yegi n'a pas tué son meilleur ami? Ça faisait partie d'un plan, apparemment. Il n'est pas assez fou pour tuer son meilleur ami, en fait, tu vois, chérie. Écoute, Cybèl, je dois y aller maintenant. D'accord? Bisous à toi aussi. Oh, bienvenue à tous. Bonjour. Voilà. Bonjour. Comment ça va, ma chérie? Bienvenue aussi à vous, Nériman, bien sûr. Comment ça va? Derrière. Oh, quoi de neuf? Tu es de bonne humeur, on dirait. Oh, je sais pas, c'est vraiment une belle matinée. J'ai des papillons dans mon estomac. Je suis à la fois pleine d'espoir et heureuse. Eh ben, dis donc. C'est la spécialité du jour? Ça sera chocolat et poire. Délicieux. Mais pas autant que moi, n'est-ce pas? Allez. De rien. Selim? Tu me cherchais? Quoi de neuf, hein? Je suis content de te voir. Pourquoi? C'est pourtant toi qui m'as mis en danger, il me semble. Ce n'était pas voulu. Alors, Yigit et Ender ont été interrogés, mais pas moi. Pourquoi? Du coup, Yigit se méfiait de moi et toi, tu pouvais faire ce que tu voulais. Eh bien, figure-toi que si Yigit ne m'avait pas cru, tu serais en train de m'enterrer actuellement, Emir. Ça n'a jamais été mon intention de mettre ta vie en danger, Selim. Jamais. Tu sais, dans mon secteur, la punition pour trahison est très dure, monsieur le procureur. Tu dois le savoir aussi, n'est-ce pas? Tu mets des gens en danger, Emir. Tout comme Yigit, en fait. Tu devrais vraiment penser à passer de l'autre côté, ouais. Pourquoi vous êtes rivaux? Un gars avec un esprit comme le tien serait parfait dans notre communauté de criminels, alors je pense que... Ouais. Je pense que tu devrais réfléchir. Tu monterais les échelons très rapidement, c'est certain. Garde tes conseils. Je suis un homme de loi. J'essaie seulement de démanteler votre réseau mafieux et mon plan n'a pas fonctionné. Pas cette fois en tout cas. Mais je ne m'arrêterai jamais. Eh bien, tu peux faire tous les plans que tu veux. On ne perdra plus personne. Tu devrais l'avoir compris, non? À plus tard, Emir. Salut, Selim. Bon appétit. Merci. Comment tu vas? Salut, Deria. Je suis désolée, mais je pouvais pas attendre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Selim? Raconte-moi tout. J'en ai aucune idée. Tu crois qu'ils me disent quelque chose? Je travaille plus avec Yigit, tu te rappelles pas? Quoi qu'il se passe, Selim est toujours en vie. Donc, peu importe. Kubra? Les biscuits viennent de sortir du four, chérie. Nériman travaille avec nous maintenant, Cybèl. Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est un travail, ma chérie. Et c'est dans un endroit que je connais. Tu vois, ça me plaît de travailler ici, ma chérie. Un endroit que tu connais, maman? Elle va se venger de moi en t'humiliant à travailler pour elle. Tu comprends pas ça, maman? Cybèl, ne sois pas stupide, s'il te plaît. Que dis-tu? Allez, maman, partons d'ici. Allons-y. Cybèl, tu es enceinte. Alors n'agis pas de cette façon, d'accord?
Je pense que toute cette colère n'est pas bonne pour toi. Utilise ton énergie pour t'occuper de toi. Nériman et moi voulons travailler dans la joie, donc ne t'inquiète pas. Je vais t'attendre dehors, maman. Maman, comment tu peux me faire ça? Comment tu peux aider Kubra à avoir encore plus de succès? Qu'est-ce que tu racontes, Cybèle? Je gagne ma vie. Écoute, tu n'aimais pas l'autre boulot non plus, ma chérie. Et maintenant, tu as un problème avec celui-là. Tu ne peux pas me faire ça, tu comprends? J'ai besoin d'un travail. Mais je t'ai dit que je te paierais ton loyer. Oh, Cybèle, je ne veux pas que tu sois endettée auprès de ton mari à cause de moi, tu comprends? Avec ce travail, toi, tu peux rester avec Igit et pas par obligation, tu vois? Je ne veux pas te mettre dans une position ennuyeuse. Bora t'a donné de l'argent et tu l'as pris, maman. Oui, c'est vrai, je l'ai pris. Et tu étais furieuse contre moi, si tu te rappelles, chérie. Tu as même quitté la maison. Mais là, je ne comprends pas pourquoi tu es si bouleversée, tu vois. Tu vas devoir écouter les ordres de mon ennemi, tu comprends? Oh, Cybèle, n'exagère pas. De quels ordres tu parles? Elle m'a demandé de venir pour que je puisse travailler ici, lui donner un coup de main, c'est tout. Oh Dieu, viens, allons, marchons un peu. On pourrait se prendre un café quelque part, hein? Allez, viens. Viens. Oh, mon petit cœur. Ma chérie. Je sais que tu ne fais pas exprès d'être de mauvaise humeur avec moi. Tu es malheureuse. Alors tu ne peux pas t'empêcher de t'énerver. Tu dois également avoir un peu de stress avec ta grossesse, non? Maman, je suis très heureuse. T'inquiète pas. Cybèle, écoute, Yigit n'est pas un garçon très gentil. Ok, tu sais que je ne voulais pas que tu te maries avec lui, c'est vrai. Mais c'est officiellement ton mari maintenant. Et en plus, il est aussi le père... du bébé qui grandit dans ton ventre. Tu dois vraiment essayer d'être heureuse avec lui. Elle est très malheureuse, Deria. Je me sens si triste pour elle. Je veux dire, elle a tellement voulu être avec Igit, mais tellement, tu vois. Elle risquait pourtant beaucoup. On se rend si malheureuse à essayer de trouver un peu de bonheur. Deria, je suis vraiment désolée que tu aies perdu ton fiancé. Merci beaucoup, Nériman. Tu vois, Cybèle m'en avait un peu parlé. Un jour, ce ne sera plus aussi douloureux que ça l'est en ce moment, Deria. Hein? Tu le sais. Toi, tu es bien vivante. Tu es encore très jeune. Et tu es très belle. Tu retrouveras bien l'amour.
Hein? Cette partie de ma vie est derrière moi, Neriman. J'essaie de vivre une vie plus saine. Pas de sucre ni d'homme. Je vais te dire une chose. Parfois, il n'y a pas de mal à faire un petit écart sur son régime, je crois. Oh, voyons, Neriman, pourquoi pas? Bonsoir, chérie. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais m'excuser pour hier, Yigit. Je t'ai mal jugée. On l'a tous fait. J'aurais dû savoir que tu ne ferais rien à Céline, bien sûr. Merci, si belle. Eh bien, assieds-toi si tu veux et je te sers une assiette, hein? Je n'ai pas faim, mais ça a l'air bon. Tu sais que tu rates quelque chose? J'ai travaillé si dur, tu pourrais au moins goûter. Vraiment? Tu as fait ça toute seule? Eh oui. Tu me connais pas très bien. Mais je suis une femme aux multiples talents. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais tu vas où comme ça? Yigi, tu peux venir ici? Bien. Assieds-toi un peu. Est-ce qu'on pourrait pas essayer d'avoir une vie normale au moins un soir dans notre vie? Je veux dire, on pourrait dîner tranquillement et parler normalement? Ne pas parler de gangsters? D'ailleurs, est-ce qu'ils parlent? Ou les mafieux gardent toujours le silence, c'est comme ça, non? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu essayes de me séduire, c'est bien ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'ennuyais, alors j'ai mis quelque chose de joli.
Écoute, Cybèl, il n'y a pas besoin de tout ça. Je veux dire, cette mise en scène. Nous sommes officiellement arrivés à la fin de notre contrat de mariage. Quoi ? Elle s'est endormie. Oh ? Mais où est-ce que tu as trouvé ça ? Je l'ai donné hier à Yigit. Comment ça ? Eh bien, je nettoyais son ancienne chambre et j'ai trouvé une boîte qui était rangée avec ses affaires. Alors je lui ai donné au cas où il l'aurait voulu. Et il y en avait deux autres. C'est bizarre que tu en aies une, là. C'est intéressant. Yigit m'en a donné une autre en cadeau. Il l'a enterrée. Comment ça ? Émir ? Tu es tellement triste tout le temps, tu sais, je le vois. S'il te plaît, je ne peux pas t'aider car tu ne dis rien à ce sujet. Quoi que tu penses, tu peux m'en parler, je veux dire, je suis là, à côté de toi. On est des amis tous les deux. Alors on est amis ? Je pense. Je sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qu'on est, Kubra. Je ne sais plus rien en ce moment. D'accord, Émir. Tu veux que je te dise ce qu'on est ? S'il te plaît. On est deux étrangers qui vivons sous le même toit, tout simplement, voilà. Tout ce qu'on fait, c'est jouer à cache-cache tous les jours, parce qu'on est incapable de parler clairement de quoi que ce soit. Et tu penses que c'est à cause de moi ? Et à cause de moi aussi. Je sais que j'ai été confuse. Et je sais que je t'ai blessée et je t'ai déçue. Mais c'est vrai aussi que je me suis toujours excusée auprès de toi. Mais tu t'es enfermée devant moi, je ne sais plus, je ne comprends plus si tu nous veux ici ou si tu ne veux plus. Ou ce que tu penses ou tu ne penses pas et je ne sais plus quoi faire pour t'aider. Je ne comprends vraiment pas ce que tu veux de moi, Kubra. Je ne vois pas. Tu es libre d'aller n'importe où tu veux aller. Personne ne te fera plus rien. On va régler ça en une seule fois avec le divorce en même temps. Tu seras débarrassé de moi et de cette vie. Je paierai la pension alimentaire et j'espère que ça compensera tout ce que je t'ai fait. Comme ça, ta mère et toi, vous aurez une vie confortable. Et puis, je ferai de mon mieux pour te réintégrer dans le mannequinat. Mais pourquoi ? Je te l'ai dit. Pour t'indemniser des dégâts que je t'ai causés. Et les dégâts que tu as causés à mon cœur, Yigit ? T'es si pressée de te débarrasser de moi ? Cybèl, on ne peut pas être ensemble. Écoute, tu es vraiment très belle, Cybèl. J'étais juste confus. J'ai été ébloui. Mais c'est tout. Ce n'était pas véritablement sérieux. C'est pas ce que tu me disais dans la chambre d'hôtel. Tu m'as encore utilisé, Yigit. Tu m'as utilisé comme tu as utilisé tout le monde. Crève, espèce de salaud. T'étais juste obsédée par moi parce que je voulais pas de toi. Parce que ton ego a été meurtri, tu as ruiné ma vie. Tu m'as détruite. Tu es bouleversée sans raison.
Tu es encore jeune. Tu as une belle vie devant toi qui t'attend. Tais-toi, idiot! Garde tes phrases toutes faites pour toi! Tu crois que je suis stupide? Hein? T'es intéressée par Kubra, c'est ça? Maintenant, t'es obsédée par elle parce qu'elle veut pas de toi! Tu l'aimes pas parce que si tu l'aimais vraiment, tu l'aurais pas maltraitée! Mais t'es pas capable d'aimer quelqu'un, pas vrai menteur! Tu sais quoi? Tu finiras tout seul. Pour le reste de ta vie. C'est comme ça que ta vie stupide finit.